barabara bakilona Mesdames et messieurs, bonsoir. Chers lecteurs de Guinée News, bienvenue encore une fois dans Star Live avec ça me fait un grand plaisir de vous retrouver, chers lecteurs, sur cette nouvelle émission Star Live sur www.guineanews.org, votre site internet numéro 1 sur la toile. Aujourd'hui, nous rencontrons une vedette de chez nous, une star, une véritable star en ce moment. On est présentement à l'aéroport international de Montréal. Elle vient juste d'arriver, toute fraîche et en pleine forme. Et il s'agit de Tiranké Sidibé à Tira Tira. Alors Tiranké, tu peux t'annoncer toujours égale à elle-même. Alors, elle vient d'arriver de Paris, en passant par la Hollande, hein, c'est ça ? Amsterdam. Et voilà, tu viens d'arriver à Montréal. Est-ce que c'est ta première fois d'être là ? Non. Et Quatrième fois, elle vient à Montréal. Donc, c'est une habituée déjà de la ville, de la ville lumière, Montréal. Alors, tu vois, okay, le voyage a été comment ? Ça a été un peu dur, long, que s'est passé Est-ce que tu as aimé le vent ? Ah oui, j'ai aimé le vent parce que c'est un peu triste. Alors, ça me fait toujours remercier le pays. Et puis, je suis bien rentrée parce que à peine de rentrer, une minute après, juste mon chéri, il a bien tourné ma appelé. Alors, il m'a gâté. Alors, mon séjour commence bien. Alors. Ben, comme vous constatez, elle est en pleine forme. Elle est vraiment en pleine forme. Alors voilà, elle vient juste d'arriver, comme il disait tantôt, de Paris. Elle a une tournée internationale et après ici, on va se reproduire en Guinée, encore en Europe, aux États-Unis, un peu partout dans le monde. Quand tu rentres, on va rentrer en Angola aussi, hein, bien sûr. On va rentrer dans le sujet. Parle-nous un peu de ce concept, de ce mouvement, de ce succès, Makalé. Il y a une chanson. Alors, qu'est-ce que ça te fait de voir cette chanson vraiment Avant de parler de ce qui se passe déjà dans de mon album Makalé, je tiens à remercier toi aussi et Kaka, qu'on appelle déjà Pamé Makalé, avec ta femme chérie Aïcha et mon mari chéri Jeff. Et puis, je suis là à remercier Guy Foriamo aussi. Ah oui, bien sûr, cher lecteur, vous allez voir tout à l'heure de Kouya. Et juste après l'entrevue de Tiranké, on va faire un petit film bien sûr avec Kadio Kinia tout à l'heure. Alors je suis contente vraiment de l'album Makalé, l'album vraiment prononcé pour le volume 1, volume 2. C'est pas pour moi-même. Mais parle-nous un peu de ce petit secret. Je sais que ça a été bien arrangé encore une fois par Evaris Nassif, et tout le monde te parle de ça. Quel a été le secret de Evaris pour ça? Et je pense également que Koudou Atanan aussi a participé. Ah oui, oui. Evaris, c'est un arrangeur. C'est lui qui a arrangé mon premier album, Kekoro, l'un de mes émotions. Et puis c'est lui qui a arrangé le deuxième album, Daria, m'a démêlé tout le monde. Maintenant, il a rendu le club. Il m'a dit qu'il va envoyer beaucoup de modernité et d'autres musiques qui sont à la mode. Et puis, heureusement, toujours à sa naissance, il était là pour mixer et puis bien jouer basé sur mon musique. Ça s'est passé dans quel style?
le studio pour radio présenté à Nantes. Ah voilà, c'est un studio hyper moderne. J'ai eu l'opportunité de visiter ce studio à Conakry. Et également, c'est quoi de construire la maison. Il faut l'équiper, mais aussi avoir des hommes qui peuvent utiliser ce studio. C'est pourquoi c'est une chance pour nous d'avoir pu à Conakry. Ouais. Et puis il y a mon grand frère, Mamadi Sidibé, qui m'a aidé. Ah lui, il est incroyable. C'est lui qui fait futur électron dans une conscience Bacolon. Oui, ah non, mais ce monsieur-là chante extrêmement bien. J'aurais dû l'inviter lui. Voilà. Mais mon prochain nom dans Béré Blanco, fait maintenant tout le monde l'appelle Béré Blanco. Ah oui, mais parce qu'il chante excellent bien. Ça, c'est lui qui nous chante. Voilà, et puis mon premier album, la guitare a été jouée par Gregoriano de Canté. Deuxième aussi par Petit Condé. Et puis le double album là, il y a eu 4 guitares qui ont joué avec Marie-Marie. Il y a eu Narumba, il y a eu Petit Condé, il y a eu Framadi, il y a eu Petit Comté. Et puis avec l'aide de Amadou Soudia aussi qui m'a beaucoup aidé sur à composer. Parlons un peu de Macaré. Mais partout dans le monde, c'est comme ça. Moi, je suis à Conakry, je sais que tu faisais la promotion des autres chansons, mais ça m'a impressionné de voir autant Macalé à Conakry. Moi-même, parce que Macalé a été bien arrangé, bien chanté par moi, mais les filles, on a chanté. Donc, c'est bien que j'ai dit à Max Perlement, quand il a fini de nous arranger les chansons, je lui ai chanté Macalé en main. Je lui ai dit, fais un sous-sous carrément en main, mais je ne savais pas vraiment que ça allait faire. Ça allait être la magie. Vraiment. Alors, aujourd'hui, ça va être un bon duel. Comme ici tu es présentement à Montréal et que nous avons la chance d'avoir on va prendre quelques questionnaires des fans et on va te poser ces questions là. Il y a une question ici, Tiranke, vous vous entendez bien aussi avec les autres accompagnants? Ah oui, je m'entends bien avec les accompagnants et les autres hommes et femmes parce que non seulement je suis sur une grande famille, ma maman est trio, mon papa est artiste, il est sculpteur, alors il y a beaucoup d'artistes trio aussi, qui sont mes parents maternels et les autres artistes qui ne sont pas trio aussi comme moi. Moi, je me dis la musique, je sors des messages bien faits. Alors, c'est obligatoire. Moi, tout le monde sait, j'aide beaucoup les artistes, je cherche beaucoup de contrats. Moi-même, je ne peux pas vivre sans les artistes. Alors, je m'entends bien avec tous les artistes. Super. Ça, c'est une question dans le téléphone sur Facebook. Une autre question, Tiranke. Est-ce que tu t'entends bien? Est-ce que tu restes toujours avec la dame Chic-Choc Omodubaté? Oui, c'est ma maman chérie, c'est ma tante chérie. Et puis sur la dédicace de l'album, c'est elle qui m'a présenté, c'est elle qui m'a amené. Elle a prié pour moi. Elle m'a dit que le temps que j'étais avec elle, que je l'ai cherché, j'ai cherché beaucoup de baratin avec elle. Donc aujourd'hui, j'ai le résultat devant moi. Tous les jours, elle prie pour moi. Des fois, elle me réveille. Elle me dit, lève-toi, tu fais des sacrifices. Je compte sur toi. Tu es tout pour moi. Elle prie pour moi. Elle me remercie. Et puis moi aussi, je la remercie beaucoup. Grâce à elle, si j'ai pris le micro, tout va bien entre moi et ma tante chérie. Ok, on va te poser juste une dernière question des fans parce qu'on ne va pas passer s'éterniser ici parce que tu connais aussi nous avons pour avoir deux ou trois questions sur sa façon de jouer ses doigts magiques sur la guitare. Alors, il y a une question ici, Tiranke, vous êtes un poids lourd en ce moment dans le monde de la culture binaire. Malheureusement, il se trouve que vos cantons sont profondément divisés par des politiques. Avez-vous un message pour... Ce que j'ai dit aux Guinéens,
chacun doit faire son travail et puis bien faire son travail. Par exemple, nous, nous sommes des messagers, nous sommes des artistes, nous devons donner des messages guinéens, on doit faire tout le travail, et tout le travail, c'est de bien chanter, donner beaucoup de conseils dans le sens. Les politiciens aussi, ils font leur travail, c'est leur travail. Les bureaucrates font le bureau, c'est leur travail. Chacun a fait son travail, les cultivateurs, les journalistes, la presse, tout le monde fait son travail. Vraiment, moi, je suis une chanteuse de la politique. Alors, vraiment, je ne connais pas trop pour la politique. Moi, je dis, par exemple, je suis contre Cameroun, on dit, on est la réconciliation, on est réconciliation. On est réconciliation. Il n'y a jamais de séparation entre les Guinéens. Alors, le mot réconciliation, là, on est déjà réconcilié parce qu'il n'est jamais, on se regarde jamais. Parce que, évidemment, si Matali a fait du succès, c'est que tu te soutiens pour toute la Guinée. Voilà, les peuls même ont insisté de chanter un peu la Makalé, et puis les soussous, les malinqués. Maintenant, je chante Makalé un peu, je chante Makalé en soussous, en forestier, tout ça. Alors, toi, nous faisons une surprise, Matali. Je vais même chanter Makalé en anglais, en chinois. Voilà. Alors, on montre la même. Je suis avec tout le monde. Alors, on peut dire le mot, cher docteur, parce que sur le plus grand site guinéen, guinéennews.org, dans l'émission Star Live de Kikaka. Et aujourd'hui, nous avons l'opportunité de t'avoir sur la tenue dans cette émission. Alors, on peut dire le mot aux lecteurs de Guinée. Ce que moi, je dirais aux gens, de continuer comme ça, parce que la Guinée a été une première. La musique africaine, tout le monde se comparait à nous, les gens oubliés, les guinéens, parce qu'en Guinée, il y a des bons musiciens, il y a des bons chanteurs, il y a des bons guitaristes, il y a des bons arrangeurs. Alors de continuer sur ça, comme aujourd'hui j'ai remarqué que les Guinéens supportent les artistes guinéens, et donc pas comment continuer sur ça, comme les Sénégalais, comme les Ivoiriens. Alors je remercie toute la Guinée. Restez à vie, restez ensemble, restons ensemble. Et alors ton public, tu vas t'accueillir demain. Et qu'est-ce que tu promets à ton public? Qu'est-ce que tu vas? Je connais bien le public de Montréal. De Montréal. Ça a changé, hein? C'est bien qu'ils sont arrivés maintenant à Montréal. Par les appels de ton frère. Alors moi, je leur invite le samedi à rapester, au Mara à rapester, avec moi, Tira Tira. Vraiment, moi, je suis là pour faire le show. Si le public est prêt, il change à moi aussi, je suis prêt. Alors, j'invite tout le monde de ne pas manquer parce qu'il y a des gens qui vont quitter les États-Unis. Partout, ils vont venir regarder. Il y a des gens qui vont venir partout, venir voir Tira Tira, même en Suisse, venir voir Tira Tira. Montréal, vraiment, ce serait jamais vu. Voilà, merci beaucoup Tiron Kessidimé, la Tira Tira, moi je l'appelle la Makalé, c'est une chanson qui marche très fort contre en Afrique. D'ailleurs, tu concentreras ça dans le spectacle ici à Montréal. Alors ça me fait un grand plaisir de te retrouver ici, on est à l'aéroport des studios ici à Montréal. Et voilà, moi je suis très enchanté à te revoir. Et tu as quelque chose à dire? Oui, parce que hier, les journalistes ont dit qu'il y a un complexe. Il y a le mensonge de la Alors, bienvenue à mon Moi, je crois.
demander, que vous avez en face de vous ici des guitaristes internationalement connus qui participent à presque plus de 15 albums guinéens ou africains même du côté de l'Hexagone à Paris. Alors, il accompagne Tyran Kessidimé pour le concert du samedi le 27 février. Alors, Dekoria, à Paris. Je sais que Tyran Kessidimé, ça marche toujours là-bas. Mais alors, comment tu as trouvé cet album? Vraiment, cet album, vous êtes en cher de mon bon sens. C'est encore plus. Avec une voix et une magie qui fait mettre tout le monde du trinquet. Wow. Je viens de faire le tournant à Paris, en France, à Lyon, Toulouse, à Anvers. Alors, on a joué le 24 décembre à Paris, c'était un vrai concert. Wow. Le trinquet, c'est là, on a ta camisole pour prendre ta camisole. C'est vraiment époustouflant. Alors, on sait que tu touches encore la culture guinéenne. Alors, Dekoria, pour ne pas prendre trop ton temps, parce que je sais que le voyage était très long et tout le monde est fatigué. C'est le guitariste de Moulin Kanté aussi. Dis-moi, ton dernier mot au public. Vous pouvez l'entendre, hein, c'est le guitariste du célèbre Yeke Yeke, monsieur Yeke Yeke, et Bix d'or guinéen, Mori Kanté. Alors, merci beaucoup, Dekoria. Bienvenue encore une fois à Montréal. Alors, chers auditeurs, chers lecteurs et chers fans de l'émission Star Live, c'était DJ Kaka, l'émission Star Live sur le www.guinéennews.org depuis Montréal. Ametanu nyogu ginera gingina ngiri makale.